tout le monde, c'est Finx43, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 11e épisode de notre aventure sur Pokémon version Perle. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc la dernière fois on s'en était arrêté là, donc à Uniónpolis. Donc aujourd'hui, eh ben, il me semble qu'on va aller affronter l'arène si tout se passe bien. Je sais plus comment, enfin si on pouvait y aller. Disons que je suis un peu perdu là. Ah oui, elle est là l'arène. Je sais pas si c'est pas un peu déçu de FPS. Tu te demandes où est le champion, je ne saurais le dire, mais j'ai l'intuition qu'elle reviendra. Je pense qu'il faudra d'abord visiter d'autres endroits. Ah. Ah. Alors déjà que... Ah bah oui, je pense qu'il faut venir là. Ça se trouve, faut vraiment que je fasse un truc... Oh non, dis-moi pas qu'il faut que je fasse un concours. Tu comptes un... Ah bah oui. C'est au comptoir de droite. T'es qui en fait? Comme avec... Ok. Ouais. On va s'entraîner. Style. Mince. Veuillez choisir un Pokémon. Eh ben on va y inscrire pour un poulou. Et le 4. Par contre, j'ai pas vu à quoi on s'est inscrit comme concours, c'est ça le truc. J'ai cliqué trop rapidement. De style, utilisez un pour habiller votre Pokémon. Ensuite, le thème, notre thème sera le naturel. Ok. Allez, ben on va l'habiller. Ça beau les plumes, moi. Hop, on va lui mettre un peu ces trucs là. Du coton, pourquoi pas. Je fais un peu ça n'importe comment hein. C'est qu'une séance d'entraînement. Alors laisse ma planète. Ok. On va voir un peu ce que ça donne. Céleste avec Cuicuis. Oh, c'est joli. J'aime bien. Nanette avec Peps. Ça, c'est un Machoke. Ah, c'est bien aussi. C'est vraiment naturel pour un Machoke. On dirait qu'il a des haltères. Pat avec Chuchu. Oh, Pikachu. Oh, ça, c'est. C'est trop beau. Mais moi ça va être moche par rapport à eux. Ah, on en a eu deux quand même. Dommage que... Ouais. Bah j'ai pas de Poffins. Non. On va pas continuer à s'entraîner. Ouais, toi tu nous dis quoi? Un concours sur un, ok. Ouais, pourquoi pas, hein. Du coup, attendez, je reviens. Je vais me renseigner. Ok, donc me revoilà. Donc, c'est bon, je me suis renseigné où je devais aller. En fait, j'ai pas besoin de faire un concours, donc ça tombe bien. Je commence un peu à avoir peur, je me suis trouvé s'il faut que je fasse un concours, quoi, ça va craindre un peu du boudin là. Du coup, faut qu'on descende par là. Par le sud de la ville, j'ai un truc. Est-ce que c'est par là? Oui, ça doit être là. Par là. Pardon. Quoi? Mais c'est une leçon aussi. Quoi? Pourquoi je peux pas y aller? Il y a marqué route 208. Ah, c'est peut-être par là en fait. Mais du ticket, c'était déjà. Donc on va fuir.
Je suis un peu perdu, n'empêche, dans ce jeu. Du coup. Erreur, donc je m'étais bien trompé de route, la route 209. Oui, 209, elle est juste là. C'est là qu'on devrait rencontrer notre rival. Allez, retourne-toi, s'il te plaît. Allez. Merci. Ouf, c'était moins une. Ok. Non, tu ne m'as pas vu, toi, merci. Ah, en plus, c'est un cul-de-sac là où je suis venu. Mais bon. Ah, c'est des baies marrons, mince. Je pensais que c'était baies orange. On va aller replanter une baie. Voilà, on va replanter celle-là. Donc, c'était vraiment inutile ce que j'ai fait. Ouf. Eh bah oui, forcément. Un combat double. On commence en... Ah mais, vous l'avez pas battu au dernier épisode, mon rival? Je crois que si. Je me rappelle plus. Il me semble que si. Ok. Manzai et Mime Junior. Donc logiquement, on va faire... Écume, voilà. Et jet de pierre sur Mime Junior. Ouais, c'est ce qui me semblait pour le Manzai. Ah, mais ça enlève pas beaucoup, hein. Ok. Oh. Ouais, c'est un peu inutile. Donc allez, on va refaire écume sur les deux. Et on va faire encore jet de pierre, mais cette fois, bah, je pense que ça sera sur le Manzai. Même si ça sera pas très efficace. Voilà, donc le Mime Junior, il est mort. Oh. Plouf qui gagne 78 et Rakaillou 235. Ce serait bien que Rakaillou puisse évoluer. Ah bah, nickel. Ça l'a tué. 69, ok. Et Rakaillou 207. Ok, on les a battus. On va arrêter de pleurer. C'est vous qui avez voulu vous battre, hein. Faut assumer maintenant. Tu veux pas venir avec moi, toi? Je me suis fait avoir comme un blaireau. Non. Je pensais que c'était vraiment un Pikachu. Je me suis que fait un Pikachu tout seul. Oula, aïe. Désolé pour ce bruit incessant. Du coup, ça promet, tiens. Allez. Bon, ça va, il nous fait pas d'attaque éclair pour le moment. Alors on continue. Tout. Voilà. Je veux un Pikachu moi aussi. Ah, ça suffit. Eh bah t'as qu'à pas te transformer en Pikachu hein. Non mais oh. Ah là-bas y'a un truc. On va aller le chercher. Ok.
Hop. Allez, on va remonter par là. Ah non, tu ne m'as pas vu, toi. Alors, c'est quoi ici? Faites face à un tour de... sur le point de secours. Ok. Pourquoi pas. Après, conseil au dresseur, vous pouvez sélectionner un objet rare d'un sac. Ok, il se fout un... Ok. Sauf que pour nous, c'est pas Y, c'est ça le truc. Là, tu es sûr? Ah, voilà, un petit champi. C'était trop louche pour qu'il y ait rien. Allez. Ah, on doit passer par là, nous. Hop. Ah, forcément, je suis pas sur le bon chemin. Et il n'y a rien sur ces trucs. Ah, j'ai oublié de passer à un shop. C'est quoi ici? La tour perdue, l'endroit où reposent les Pokémon disparu. Ah, j'aime pas ces endroits. Voilà. Voilà pourquoi. C'est un peu comme la tour Pokémon de l'avant-ville. Ou l'avant-dia. Non, l'avant-ville, ouais. Du coup, en plus, comme j'ai pas de Pokéball, ça sert à rien d'y venir. Parce que même s'il y a des Pokémon genre Fantominus ou des trucs comme ça, je pourrais pas en choper. Du coup, on va juste tracer notre route pour arriver à Bonville. Et je crois qu'il y a rien de toute façon à Bonville. Il y a rien d'intéressant. On va juste faire une halte pour soigner les Pokémon, tiens. On va aller faire le plein de Pokéball, je pense. Hop. Il me semble qu'il faut qu'on aille à la prochaine ville. Du coup, sous le shop ici. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est la pension. Non, on met pas de Pokémon en pension. Non. Il n'y a pas de shop ici? T'es pas sérieux? Ah si. Hop. Il nous faut des Pokéballs. Non, c'est pas sur elle. Hop. C'est surtout d'à côté. Voilà. Pokéball. On va en prendre 10. Voilà. Et en plus, on a l'Honor Ball. Je pense pas que ça l'était dans cette version, mais bon, tant mieux. Ah, ok, ouais. Ah, en fait, avec le repousse, on éloigne que les Pokémon les plus faibles. Moi, je pensais que ça éloignait tous les Pokémon. Allez, donc on va tracer notre route, hein, sur la route 210. Au moins, comme ça, on peut attraper d'autres Pokémon. Genre un Ponyta, ça c'est parfait. Je veux un Ponyta, moi. J'adore Ponyta. C'est bon, ça risque pas de le tuer. Allez, on continue. Allez. Ok. Je pense qu'on peut lui faire encore une fois. J'espère. Aïe. Oh Dieu. Ah non. Faut pas avoir la trouille quand même. Yes. C'est bien quand il me fait rugissement. Au moins je sais que ça va lui enlever moins de vie. Et au moins je pourrais le choper. Voilà, parfait. Je pense que là c'est suffisant pour pouvoir le choper. Alors, balls. Hop, allez. S'il te plaît, tu viens avec moi. Et voilà, parfait. On a donc Ponyta avec nous. Que je pourrais mettre dans l'équipe quand on sera arrivé à... Mince. Quand on sera arrivé à Volaroc.
Ah. Non, Rekaius, c'était déjà. Donc, on va fuir. Voilà. Ah, ça c'est. Oh non. Pas envie de me battre. Ah. Oh. C'est pas grave. Je débute tout juste en élevage, mais je ferai de mon mieux. C'est ce qu'on verra. D'un côté, tant mieux, ça entraînera un peu mon racaillou. Mélo. Trop chou. Alors, on va lui faire pas à coupe, hein. Ok. Oh non. En plus, allez, c'est la fête. Est-ce que j'ai un rappel? Un réveil? Ça, j'en suis pas très sûr. Son statut anti-paralysie. Punaise, j'en ai pas. On va devoir faire avec. Aïe, 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 je le sens mal. Ça va. Je m'enlève pas trop encore. Mais arrête de dormir, s'il te plaît. Après un plouf, il va se faire battre par un mélo. S'il te plaît, punaise. Ouais, j'arrêterai l'épisode en arrivant à Volarok. On garderait l'arène pour le prochain épisode quand même. Faudra que je pense à acheter des réveils. Hein. Il aurait pu m'achever. Oh non, s'il te plaît, attaque-le. Yes, bien joué. Yes. T'as la chance que j'ai eue. Ok, un Mélofée forcément, on fait s'en douter. Alors que ça va être Mélofée et Mélodelphe en dernier. Hop. Ok. J'ai raté mon attaque, super. Tu. Punaise, ça va être long. Ouh, ça va être long. Cela va être très long. Allez, on retombe amoureux. Super. Ça promet. Ouais, tu voudrais pas me le tuer là? Arrête de faire boule armure, c'est long. Ah bah enfin. Tu décides enfin de m'attaquer. Merci. Enfin. Qui on va pas envoyer? Bah vous savez quoi, on va y envoyer Rakaio, au moins ça permettra de l'augmenter un peu plus vite. Sauf que le truc c'est que il risque de tomber amoureux, je pense aussi. On va lui faire ampleur. Direct. Ouf. On a eu de la chance. Aïe 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 aïe. Bah oui forcément. Non! T'as pas le droit de me faire ça. C'est trop chiant les berceuses. Je suis pas prêt d'y arriver.
T'as dommage, ça l'a pas réveillé. Du coup, je pense que je vais faire une ellipse parce que là, c'est vraiment trop long par rapport au fait que mon Pokémon y dort. Et je vous retrouve du coup quand ça sera bon. Voilà. Il vient juste de se réveiller, il a fait ampleur 10 carrément, ça c'est cool. Ah, on est proche. Un petit ravi. Ah bah, c'est pas Méodelf finalement. C'est un petit ravi. Il est trop chou lui aussi. Du coup, on va lui faire. On va essayer de jet de pierre, tiens. Oh non. Pas amoureux. Non, juste confus. Ouf. Enfin, c'est encore plus pire le fait que ce soit confus. Ah, arrête de te blesser, s'il te plaît. Bah oui, je t'ai pas encore attaqué, donc tu risques pas de copier mon truc. Et... aujourd'hui, faut pas être pressé, hein. Allez! Ah non, il baisse juste son attaque. Chaque fois, je crois qu'il va me rendre amoureux, du coup, c'est chiant. Hein? Ah, d'accord, il peut faire photocopie sur sa propre attaque. Je savais pas. Ok. Bah oui, forcément, quand tu peux, quand t'es plus confus, tu te foires. Bravo! On va le plus long de ma vie, quoi. Ok. Ben on va lui faire en pleurs. Hein. Ouais, si je meurs pas avant. Ouf, non, c'est bon, il s'est loupé. Waouh, tire à loin avec en pleurs 4. Waouh. On lui a enlevé trop de vie là. Super, il a encore confus. Ah, mais cette fois il se loupe pas. Allez, tu es presque. Voilà, parfait, on a enfin fini ce combat. Oh mon dieu, il serait temps. Parfait, en plus il passe niveau 21. Oh, presque niveau 22. Et pas d'évolution. C'est moi qu'on arrive à Volaroc. Café cabane. Oh, pourquoi il y a des psychocoques là-bas? On peut pas faire soigner. Ah mince. Mais non. Oh, la blague du siècle. Tu pensais qu'elle allait vendre ses trucs, moi. Super, hein, mais l'eau fait. Wouhou. Hop, elle est en pleurs. Aïe. Oh là là. Ah, dommage. Est-ce que j'aurais pas des potions? Si, j'en ai une. Waouh. J'ai pas trop envie qu'il meure maintenant parce que comme il est bientôt niveau 22. Tu voudrais pas faire boule armure toi? Waouh, Lilliput, c'est très bien. Lilliput, Lilliput. Allez. Faudrait mince. Faudrait qu'on attaque en premier. Ce serait pas mal. Non, c'est bon, il fait boule armure, c'est encore bien. Ampleur 9, bim. Voilà, parfait. Ok. Niveau 22. Nice. Roulade. Ouais, ça pourrait être pas mal.
Qu'est-ce qu'il a comme capacité à oublier? Bah, charge. Voilà. Hop. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Eh non, toujours pas. On va peut-être parler aux autres parce que c'est que des combats. Dites-moi qu'on est bientôt arrivé à Celestia. Et il fait pas beau ici. Hein. Je me suis planté de route. Mais what? Ah mais d'accord. On va être obligé de l'affronter. Je sens que ça va être un long épisode ça. T'as combien de Pokémon 2? Oh, un Archéomyr. Du coup, ouais, je pense de faire une ellipse. Du coup, je vous retrouve tout de suite à la fin du combat parce que sinon ça va être un trop long épisode. Enfin, un épisode trop long. Du coup, je vous dis à tout de suite. Ok, on l'a eu. J'ai perdu mon Rakaio, mais bon, ça fallait s'en douter. J'espère qu'il n'y a pas d'autres dresseurs qui vont m'énerver. Oh là là, vite, 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 vite. Ok, faut vite qu'on arrive à Celestia parce que là autant dire que je suis assez mal en point. Oh dis-moi, bah si forcément je dois repasser par ces dresseurs là. Parce que j'ai pas coupe ce pari. Si, je suis bête. Je suis vraiment bête. Aïe 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 aïe. Retourne-toi. Retourne-toi. À louper. Oh là là, dis-moi que t'as qu'un seul Pokémon. Ouais, parfait. Aïe, un Cradopo, c'est chiant. Je les aime pas, les Cradopo. Bah, Luxio en premier. On va voir ce que ça va donner. Ça pourrait permettre de le monter level 16 en plus. Ah, c'est vrai que j'ai pas d'attaque électrique. Ok. Bah, en plus, il nous fait Vendetta lui. Il a pas le temps. Hop, ça, c'est fait. Attendez. Ok, j'ai eu de la chance. Parce que même avec mon Medetica, j'ai réussi à le battre malgré son niveau. Vu que Cradopo était sensible au type Psy. Donc ça c'était bon à savoir. Ah désolé. Demandez si je passe par là, je me ferai avoir encore. Il y a des baies. Ah. Rakaio, mais j'étais déjà toi. Ok, donc on va fuir. Nous allons fuir. Allez, c'est long. Merci. Bon, c'est quand que ça arrive à Celestia qu'on puisse arrêter. Allez, hop. Ah. Oh. Ouh. Eh, ça pourrait être pas mal ça aussi comme Pokémon dans l'équipe. Hein. S'il fait pas téléporte, on va essayer de le choper. J'espère qu'on est bientôt arrivé à Celestia. Alors, on va lui faire Cruel. J'ai cru que ça aurait marqué téléporte. Ouf, mon dieu. J'ai cru que j'allais le tuer, j'aurais été dégoûté, franchement. Allez. Ball, Pokéball, direct, hop. Allez, s'il te plaît, Kadabra.
1, 2, 3. Yes! Bon, on aura attrapé deux Pokémon aujourd'hui, un Ponyta et un Kadabra, c'est toujours bon pour l'équipe ça. Nice, nice, nice. Non, pas de surnom. Du coup, là il y a quoi? On va aller voir ce que c'est. Voilà, hop. Onde de choc, pas mal. On va juste faire attention au dresseur parce que déjà que mon équipe est mal en point. Hop, yes. Oh là là, on va pas pouvoir les esquiver ceux-là, du coup je ferai une ellipse. Ça me dirait, ouais, tu fais des ellipses pour des dresseurs et tout. C'est que là on n'a pas trop le choix. Du coup, hop, je vous retrouve tout de suite. Et re, donc finalement on va s'arrêter à Bonville parce que ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Et parce que tout simplement, les deux dresseurs que j'ai vers la fin, ils sont vraiment trop forts pour l'équipe que j'ai actuelle. Du coup, on ira les battre au prochain épisode avec ma nouvelle équipe, avec les deux Pokémon que j'ai attrapés tout à l'heure. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.